Allez, engagez nous. Est-ce que c'est toujours le même? Ah ouais, il est pas encore mort, hein. Ah non, c'en est un nouveau. Et dessus. Eh bah, ça c'est du nom, hein. Il a l'air plus jeune que l'autre. On va peut-être le garder plus longtemps, celui-là. Il va taper l'incruste comme l'autre, hein. Il va servir à rien, il va taper l'incruste. Ils sont payés à l'heure, alors ils seraient contents de partir. Hein. Hey, t'es fatigué, mon grand, ils t'ont pas laissé dormir de la nuit. Là, venir squatter ton lit alors que tu leur demandais de... Bon, moi j'ai faim. Est-ce qu'il va me nourrir, machin? Ouais. Allez. Qu'est-ce que tu vas me faire à manger? Hein? Hein? Ta mère est rentrée, mais lui, il s'en va pas. Bah non. Je viens de voir que j'avais un arbre dans la maison. C'est sympa. Non, il veut pas me nourrir. Personne veut me nourrir. Ouais, en fait, elle m'enlève du canapé, quoi. Genre, non, non, t'assois pas. Bon, ben, on va essayer. Donne-moi à manger. Je ne sais pas. Moi, il m'énerve. Il m'énerve. Allez, allez, allez. Merci, merci, madame. Des petits pois, ça c'est bien. Un repas normal. Après, tiens sur le pot. Et puis après, tira au dodo. Très bien. Merci, monsieur. T'es dessus. Et le pot et le dodo. Allez, c'est parti. Ah voilà, lui, il met du produit anti-monstre. Très bien. Cette nounou est efficace. Ceci est un scoop. Donc quoi, ça arrive, il y a parfois des nounous efficaces. Allez. Allez, tout le monde au lit maintenant. Qu'est-ce que c'est ? L'amoureux des chiens, c'est bien, ça nous fait une belle jambe. Allez, voilà. Ah, Tom, il gagne mieux sa vie quand même. C'est bien. Ça, on pourrait pas la télé si elle retombe en panne. Allez. Ils sont tous debout. Il y a que qui veut dormir. Alors, créativité. C'est bien. C'est bien, mon gars. Mais je m'en fiche. Voilà, ça m'a coûté. Oui, d'accord, ok, merci, t'es dessus. Oh non, mais mon petit va dormir, y'a que toi. Y'a que toi qui est réveillé, là. Ah, ça s'est cassé. Alors maintenant, vous êtes deux, c'est mort. Va te coucher, tu bailles. Non, il veut pas. Il veut pas. Tant pis, ce sera pas pour cette nuit encore. Allez. Est-ce qu'elle va aller se coucher? Non, elle se déplace juste sur le canapé. Bon, bah. Allez. Il est pas déjà allé prendre son bain il y a genre 5 minutes, lui? Bon, je comprends plus rien. C'est vraiment une famille de fada, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Et... Allez au lit, là, maintenant. Ça y est, t'es propre, hein, tu sens le sable chaud, va dormir. Mais il est pas content, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a encore? Mais va te coucher, bordel.
Ah, bah quand même. Je crois qu'on n'y arriverait pas. Hein. Ouais. Et là, c'est moi qui me lève, bien sûr. Tout le monde dort et c'est moi qui me lève. On en est où? 11 jours! Ça commence à être pas mal. Allez. Hop, elle est où la tablette? Elle est là. Allez, on est parti. 11 jours, ça commence à être bien. T'as bien avancé dans le truc. Hop. Voilà. On va aller se faire faire à manger avant 13h que le père s'en aille, hein, c'est la priorité. Je voudrais juste valider. Non, ne viens pas me parler, laisse-moi finir. J'ai presque terminé. Je vais arriver au niveau de 5. Voilà. Et là, j'ai plus rien à faire. Donc, tu vas me donner à manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on y va. Les cours forest. Voilà. Bon, alors vu que je n'ai plus rien à voir à lui faire faire et que ça risque d'être un peu monotone, je pense que je vais, vu qu'on a le droit d'avoir des animaux, etc., et que les règles ont changé depuis, donc que j'ai pas pu le faire au départ, je pense que je vais aller adopter un animal. Ça fera plaisir à Missing, hein, qui a envie de me voir galérer avec des animaux dans tous mes challenges. Et puis comme ça, ça occupera un petit peu, il y aura des choses à voir et à faire avec... Donc je pense qu'on va aller tout de suite. Du coup, je sais pas, un chat, un chien, je sais pas ce qu'on va acheter. Alors, acheter un service. Bon, alors, un chat ou un chien? Plouf plouf. Ça sera à toi que je choisirai. Alors, chien. Oh, il va falloir le laver. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va prendre un chiot, peut-être, c'est plus sympa. Un schnauzer. Un schnurk. Un spitz allemand. Un shiba inu. Oh, c'est mignon, le shiba inu. Un lévrier afghan. Non, j'aime pas trop les lévriers afghans. Un bobtail. Un retriever. Un chien de je sais pas quoi. Un foyer, un Yorkshire, un Labrador et un Retriever. Oh, mais moi j'aime bien les Labradors, mais il n'est pas chiot. Bon, bah tant pis, on prend le Labrador quand même. J'espère qu'il a des traits de caractère sympathiques, le Labrador. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc c'est bon, je le veux. Attends, attends. Faites-moi descendre, que j'aille parler au chien, que je vois les traits qu'il a. Ah, regarde pas la télé. Comment tu fais pour regarder la télé alors qu'elle est au bout de la pièce et qu'en plus t'es pas face à elle? Voilà. Et présentation amicale. Laisse-moi parler au chien que je vois un peu. Mais laisse-moi, fais-moi descendre. Mais les... Il veut pas me laisser tranquille. Hein. Non, il veut pas. Allez, laisse-moi parler au Labrador. Il fait voir. Non, ça c'est pas le Labrador, ça c'est. Alors, ah, je peux pas voir. Je pensais que j'allais pouvoir voir par ici, mais je peux pas. Bon, allez, c'est bon, on a vendu, on prend le chien, on verra bien. De toute façon, elle est noire, donc même si elle se crate toutes les deux minutes, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. Ah non, ça veut dire qu'il repart. Ça veut pas dire que je l'adopte. Ah merde. Ouais, il veut rien. Ah, je peux pas, donc il est encore là. Oh là là, on sent que j'ai pas beaucoup dormi moi, je fais que des conneries. Hein.
Bon, on va attendre qu'elles repartent, elles. Voilà. Bon. Elle lui part bosser. Bon, bah, elle, c'est mort. On achètera un chien ce soir. Je suis où, moi, du coup, parce que... Où je vais? Ah oui, non, je suis... Je cours partout, d'accord. Oh, bah, écoute. Petite musique de Benny Hill, là-dessous, ça ira bien. Bon, bah, écoutez, je cours. C'est bien. On va arrêter, là, parce que... On va vomir, à force. Voilà. Alors, la notification plein, Lia s'en va, bah oui, non mais je me suis trompée. On va pas en faire un... Une maladie. Bon, allez, on va attendre qu'il y ait des parents qui reviennent, le premier qui rentre, il adopte le chien. J'aimerais bien manger un morceau dessus. T'as pas voulu hier, mais là aujourd'hui, tu veux peut-être bien me nourrir, non? Allez, je veux manger. Est-ce qu'il va vraiment me donner à manger? Mon Dieu. Ouais. Donc la mère est là. Allez, acheter un service. On va voir si le labrador est toujours là, sinon on en prendra un autre. Elle est toujours là. Magnifique. On va attendre qu'ils arrivent. Et je crois qu'il faut cliquer sur le chien adopté. Voilà. Voilà, très bien, t'adoptes. Et bah maintenant moi j'ai mangé. Ok. On va lui donner un nom mieux que ça. Clover. Santa. Oh, allez, Santa, c'est sympa. Voilà. Toujours pas voir. C'est très Santa. Ah, bah si. Bruyante, gloutonne et détective. Oh là. Elle va réveiller tout le monde. Bien. Ah, il faut que j'aille lui acheter à manger quand même. Enfin, de quoi faire à manger parce que. Non, voilà. Hop. On va prendre un distributeur de nourriture. Même si quand ils sont gloutons, c'est pas terrible, mais ça évitera de devoir. Parce que bien sûr, moi je ne peux pas le faire. On va dire une fois toutes les 12 heures, c'est pas mal. Et toi, t'es obligé de remplir. Allez, bien joué. Hop. Ah, ça, pour une voyante, elle commence déjà à raconter sa vie. Faire un câlin. C'est mignon, les câlins. Oh. Un câlin avec un labrador, forcément, c'est plus le labrador qui te fait un câlin que toi. Hein. C'est lui qui décide. Bon, ben voilà, on a un chien. Magnifique. Et on va aller dormir un petit peu. Mais comment il va y avoir plein trop de monde dans cette baraque, quoi. La nounou, la SPA. Allez, rentrez chez vous, la bande de squatteurs. Non, ah bah, il ne partira pas tant que... C'est sa détective, magnifique. Allez, il faut qu'elle aime pas la télé. Elle a peur de la télé. Allez, un petit bisou. Allez, obsession des... Elle est obsédée par quoi? Par un truc dans la cuisine, j'ai pas le temps de voir. Allez.
J'espère qu'il va pas venir réveiller tout le monde. Elle va pas venir réveiller tout le monde. J'espère aussi qu'elle va pas avoir la bonne idée d'aller faire des bébés avec tous les chiens qui passent. Alors... ouais, ok, super. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Regarde, on sait jamais. Ça mange pas de pain, ça fait pas de mal. Voilà. Allez. On va te laver, hein, c'était sale, ce que je te disais. Donc on en est où, nous? Ouais, 10 jours. Youpi. Ça sent la fin. De ce stade là. Après il va falloir faire la même chose avec tous les stades, donc avec des tâches différentes à chaque âge et toujours la possibilité de ne contrôler qu'un seul sim. Donc voilà, je rappelle, hein, je n'ai pas le droit de toucher aux autres et voilà, mais j'ai hâte de gagner un peu en autonomie et puis pouvoir faire d'autres choses un peu parce que là je suis un peu limitée quoi. Allez, sur le pot. Est-ce que tu pourrais me donner un bain quand tu auras pris le tien, s'il te plaît? Allez. Bonjour, je voudrais un bain. Voilà. Allez. Eh bien. J'aime quand ils font les choses que je leur demande directement. Allez. Ah, elle dort. Non, on va la laisser dormir. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux manger un peu parce que comme ça, ce sera fait. Demander à manger à Tom. Non, ne va pas dormir dans le lit de ton fils. Enfin, c'est pas possible. T'as un vrai lit. Avec une femme dedans. Va avec ta femme. Voilà, donne-moi à manger d'abord. Allez, on y va, on y croit. On va y arriver. Voilà, tu m'as fait quoi? Du yaourt, non? Ouais, du yaourt. Magnifique. Bon, je sais pas ce que je vais faire après, par contre. Tout est au max. Hein. Et il reste 10 jours. C'est un peu long, je trouve, le stade, enfin l'espérance de vie au max. Je pense que si je refais un jour le challenge, j'essaierai en normal l'espérance de vie. Je pense que ce sera un peu plus difficile, mais bon, en tout cas pour Bambin, ça se fait large, quoi. Bon, je voudrais descendre, s'il vous plaît. Et je vais aller jouer avec le chien. Hop, elle est imitée. Ils ne veulent pas me laisser descendre. C'est tout faire soi-même ici. Je peux manger la bouffe? Non, je peux pas. Allez, faire un câlin et parler. Hein, à pas vouloir aller dormir dans son lit. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je peux en faire quelque chose. Oh, il s'écrase dans ce baraque. Qu'est-ce que tu fais? Descends là. Je sais pas ce qu'il a. Et je peux rien faire tant que je suis un bambin. Allez. On va au boulot. Bon, bah, je peux rien faire. Qu'est-ce que c'est? Peut-être aller jouer avec ça. Faire un câlin. Du coup, il va être crado, va falloir le laver. Et ça, c'est vraiment un truc
Enfin, laver les chiens dans les Sims, je trouve que c'est trop souvent et que c'est pénible. Moi, j'ai eu un labrador pendant des années. Je crois pas. Si je l'ai lavé 10 fois dans ma vie, c'est le max, quoi. Et encore, 10 fois, je suis large. C'est vraiment quand elle était crade, quoi. Donc, allez, un petit tour aux toilettes. Sont là. Accélérer un peu parce que je ne sais pas quoi lui faire faire. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que les jours passent. Je sais pas pourquoi il veut pas aller dormir dans son lit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton lit? Il y a un truc qui t'empêche d'y aller? Bah non, pourtant. Ah bah je peux rien faire quoi, je suis au max de toutes mes compétences et engager une nounou. Faire un câlin. On va aller faire une sieste. Enfin dormir. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre que les 10 jours passent. On s'en fiche. Ils vont pas avoir de promo, hein, parce que de toute façon j'ai pas les prérequis, je pense. Et comme je peux pas les contrôler, je suis pas prête de les avoir. Puis en plus, astronaute, ça se trouve, il faut qu'ils bossent sur la fusée. Hein, j'ai pas de fusée. Voilà, donc il fait des pompes au-dessus de la piscine, c'est normal. Il a 10 ans, moi aussi, bien sûr, à 10 ans, je faisais des pompes, logique. Hop. Et on a quand même une des deux qui gagne beaucoup moins bien sa vie que l'autre, hein, parce que lui gagne plus de 4 centimes plus par jour de travail et elle gagne 184. Il est où le chien? Il se sent pas bien. Ah, il est sale. Ah non, je vais pas te laver. Tu sais combien de temps j'attends, moi, avant qu'il me lave? Ouais, un moment là. Allez, pas. Pas demander à manger à ta mère. Après, tu iras aux toilettes. On va attendre qu'elle m'y mette. Voilà. Il va où? Non, mais reste là, regarde. Voilà, à manger, après j'irai sur le cours. Et puis après ce sera l'heure de redormir. Voilà. Avec céréales du soir. Et la nounou, elle pourrait pas faire un peu le ménage quoi en attendant vu que je me gère toute seule. Bah non, ça fait pas partie de ses. Ça fait pas partie de ton job a priori. Alors je m'ennuie. Eh ben joue. Oh, je vois Bicabé. Joue et après t'iras dormir. Allez. Voilà, il a ramené plein de sous, la nounou s'en va. Et on va tous aller dormir. En espérant que les autres me suivent. Non, bah non, pourquoi faire? Ah, c'est bon. 2 sur 4. Ah, mais il y a le chien aussi, hein. Si le chien dort pas, passera pas en. Ouais, 3 sur 4. On est presque. Non, il veut pas aller dormir dans son lit, je comprends pas. Je
comprends pas pourquoi il dort pas dans son lit. Je comprends pas. Visiblement, il a sommeil, il y a le lit qui est là, mais il veut pas y aller. C'est la logique des Sims, on sait pas. Bon bah écoute, tant pis, hein, reste là, mon gars. Hein. Bon, ça me gêne pas, hein, que tu dors par terre, mais. C'est juste, je vois pas l'intérêt. Oula, qui c'est ça? Bah, qui c'est? Mais c'est quoi ces prénoms là? Nobuya, Tetsu? Et puis pourquoi il y a une nounou qui arrive? Pourquoi? C'est pas le. Mais en fait, il y a deux nounous. Il y a Tetsu et puis il y a. Robuya. Nobuya, pardon. Voilà. C'est normal. Je sais pas. Je pense qu'ils ont confondu la baraque avec une garderie. Je vois pas, je comprends pas. Voilà. Donc, je pense que j'ai une nouvelle nounou qui va venir tous les jours. Je vais pouvoir ouvrir un camp de vacances. Tu es en pleine forme. Ouais, super. Magnifique. C'est chelou quand même comme truc, non? Lui, il est complètement bloqué. En fait, il est bugué, c'est ça? Ah bah non, il est pas bugué. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah bah bonjour l'angoisse quoi, les nounous qui passent leur temps à se baigner dans la piscine alors que les parents sont là, qu'on n'a pas besoin d'eux, qu'on va devoir les payer une fortune parce que ça fait 4 jours qu'ils sont là. Et moi je suis où? Qu'est-ce que c'est? Je suis où et je fais quoi? J'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà. Très bien. Eh bah écoute. Ouais! Trop fort, qu'est-ce que tu veux, Nobuya? C'est pas un prénom, sérieux, ça c'est une marque de shampoing, je sais pas. Oh, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Et puis là, il nous voit, on dirait. Une voix d'outre-tombe, quoi. Et l'autre, il vient de se pisser dessus, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fiche? Ah, j'avais pas le droit de cliquer dessus, j'ai mis. Pardon. Oups. Écoute, je comprends rien. Si dessus, va pas dormir. Hein. Heureusement que c'est pour lui qui fait le challenge. Hein. Ce serait déjà mort. Hein. Bon alors, on en est où là? Allez, 9 jours, on tient le bon bout. On va y arriver. On va y arriver. Ah, c'est bien. On va toi. Non, je vais l'envoyer à la garderie. Moi, j'ai trop peur qu'il vienne à 12. Puis ça ira plus vite à la garderie. Voilà, il va à la garderie. Le temps passe plus vite parce que là, moi, j'ai peur qu'il débarque encore à 250. Là, c'est pas possible. Voilà, on accélère un petit peu le temps. Plus jamais de ma vie j'appellerai la nounou, je vous le dis tout de suite. Ils viennent en meute. Allez, allez, allez. Bah, il dort là. Ah, est-ce qu'il y a le chien? Rappelez-moi pourquoi j'ai pris un chien déjà. Pour occuper les enfants, oui, c'est ça. Voilà, il est rentré de la garderie. Super! Youhou! Allez, aux toilettes. Tu vas jouer un petit peu. Allez, fais une tour. Épeler des mous. Ouais, ça, avec des cubes. Normal. Ensuite, tu vas demander. Ah, on s'en fout. Voilà. Allez, ensuite. Ah bah tout le monde dort, donc personne ne peut te nourrir. Bah non, bah voilà. Et...
Faut peut-être réveiller la mère, non? Il y a des priorités dans la vie. Hein. Réveiller. Voilà. Allez, va réveiller ta mère. Youhou, c'est moi. C'est l'heure de la bouffe. Allez. Et c'est des chips. Super. Allez, après dormir. Et puis, je pense qu'on va arrêter là le live pour aujourd'hui. Hein, on a bien avancé, il ne reste plus que quelques jours. Donc, je pense que dans le prochain live, elle deviendra enfant. Donc voilà, on va la coucher et on va s'arrêter là. Donc, bah merci d'être venu sur le live aujourd'hui. Hein. Merci Julien et puis tous ceux qui sont là et qui parlent pas. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très vite, très certainement pour un let's play sur la jungle. Parce que j'ai laissé Indiana à moitié mort dans un temple hier soir. Donc il va falloir quand même que j'aille le récupérer, le remettre sur pied et le renvoyer au charbon. Et puis demain je ferai aussi une petite vidéo, un petit live sur Don't Starve. Hein, pour ceux qui ont vu les précédents, je suis déjà aujourd'hui, c'est je vais essayer de pas mourir, enfin de battre mon précédent record qui était de 14 jours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très vite ici ou sur YouTube ou ailleurs, vous savez où me trouver. Allez, bisous.